忘れた方がマシさ。これ以上
しゃれてる時間はない。何がウォーウォーウォーウォーウォー、この空に届くのだろう。だけどウォーウォーウォーウォーウォー、明日の予定もわからない。無限大な夢の後の何もない世の中じゃ、そうさ愛しい思いも負けそうになるけど、ステージがしないイメージだらけの頼りない翼でもきっと飛べるさ。 Oh my love。 疲れた蝶になって風に乗って、どこまでも君に会いに行こう。曖昧な言葉って意外に便利だって、叫んでる悲壮的なやら、何がウォーウォーウォーウォーウォー、この街に響くのだろう。だけどウォーウォーウォーウォーウォー、期待してても仕方ない。無限大な夢の後のやるせない世の中じゃ、そうさ常識外れも悪くはないから、清楚なイメージを染めたぎこちない翼でもきっと飛べるさ。A harmless online chat with friends led to a chance encounter with a cyber stranger for one average teenager. Lured by a mysterious message from the stranger, the teenager logged onto cyberspace Eden. It was there that they first encountered Digimon and embarked on an adventure that would turn the whole world upside down. Driven by innovative virtual reality technology and network services, cyberspace has become a part of everyday life. The teenager gained access to the bottom of Eden. A very dangerous and treacherous place.
What was found was unexpected. A part of the teenager's mind data was destroyed by an eater, a monster that emerged out of thin air, leaving their body half-digitized, almost cyborg-like. That's where I came in. Oops, I haven't introduced myself. I'm Kyoko Kuremi, just your average cyber detective. It was meeting the teenager that first got me involved in this crazy affair. Incidents committed by hackers using Digimon in cyberspace. Bizarre changes in the real world. A single mastermind behind these crimes. When the world is in crisis, a wish from a girl will create miracles and perhaps save the Digimon. Digimon Story, Cyber Sleuth. Et donc voilà, bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour cette émission. Voilà, cette émission qui commence donc à 21h. Et qui devrait normalement durer au maximum 23 heures, mais je pense que ça sera un tout petit peu écourté vu que l'actualité sur les Digimon est un peu light en ce moment. Donc voilà, donc n'hésitez pas à réagir sur le chat de Twitch, hein, disponible à droite, par là. Hein, et normalement, votre message s'affichera en haut. Voilà, petite nouveauté de ce live, j'ai mis un chat. Hein, voilà, petite nouveauté de l'émission. Par contre, c'est vrai qu'il est pas très visible. Il est pas très lisible. Je suis désolé. Hein, va falloir que je fasse quelque chose à cet endroit-là. Hein, mais voilà, c'est. Va falloir que je fasse quelque chose pour la prochaine émission, en tout cas. La prochaine émission qui sera dans 2 semaines. En tout cas, voilà. On va donc revenir sur toute l'actualité Digimon qui a eu lieu donc ces 2 dernières semaines. Et on va commencer tout de suite. On va commencer tout de suite donc par des images. Oui, je vais décider de commencer par les images. Hein, oui. On commence donc par les images. Hop, les... Voilà, donc alors pour ceux qui ont vu, voilà, il y a eu le trailer de Digimon Story Cyber Sleuth qui est passé donc en à peine quelques minutes maintenant. Et voilà, donc là maintenant les images. Et j'ai plein d'images à faire montrer. Tout d'abord, attention. Hop, voilà. Voilà, la magie. Voilà, magie. Magie. Donc voilà, en tout cas. Voilà, alors ça, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que vous voyez ici? Oula, c'est quoi? Là, ça, il s'agit tout simplement de l'affiche, donc DVD Blu-ray de Digimon Adventure 3. Qui te suit? Alors, désolé, j'ai sans doute mal prononcé qui te suit ou qui te suit. Enfin bref, vous voyez ce que je veux dire, donc la suite de la saison, acte 2, saison 7 si je ne m'abuse. Bref, voilà. Donc on peut voir, voilà, deux DG Sauveurs, enfin non, deux DG Sauveurs, oh là là. Enfin, j'ai deux DG Sauveurs, oui, mais... Alors deux Digimon, mais... Voilà, il s'agit donc de... Joe, Palmon et Gomamon. Voilà. Cette affiche. C'est assez étonnant de que ça soit eux deux, mais bon, hein, voilà, je trouve ça assez
étonnant en fait, mais bon. Il en faut pour tous les goûts, voyons. Il en faut pour tous les goûts. Alors, on va passer donc sur la deuxième affiche qui est. Enfin, deuxième affiche, c'est pas une affiche, c'est. À partir de là, c'est des photos. Regardez, hop! Voilà. Autre photo. Alors là, ça vient. Alors, cette photo-là, tout comme la suivante d'ailleurs, elles proviennent du Winter Festival de 2016 Winter qui s'était donc déroulé le 7 février dernier, donc à Shiba, voilà. Au Japon, donc voilà, deux nouvelles figurines de la collection Magaus ont été exposées. Donc celle-ci et l'autre que vous allez voir d'ici quelques secondes. Voilà, donc on a pu voir donc Mimi et Lady Damon, ainsi que bah là que vous voyez actuellement Ruki avec Renamon. Voilà, hein. Hop. Ça. Voilà, c'est plutôt assez bien fait, moi je dis. C'est même bien fait. Hein, voilà. Bon, après, il y a pas de couleur et autres, mais globalement, c'est bien fait. Voilà. Alors, on va aller direct sur une autre image. Hop là. C'est quoi ça? Oh là, c'est une sorte d'artwork. Enfin, bref, c'est une photo prise dans un magazine, on dirait. Et il s'agit donc l'Animalia de mars prochain. Voilà, donc c'est un poster en format B2, à vrai dire, qui sera voilà aux couleurs de Digimon. Donc voilà, pour l'instant, ouais, je ne veux pas plus détailler. Vous avez le résultat sous les yeux. Voilà. Et il y aura également d'autres illustrations de Sota Kuwarara. Merci les noms japonais. Voilà, on pourra avec enfin avec le manga Crimson Prince bien sûr. D'ailleurs, je peux vite fait vous les faire montrer. Hop, hop. Enfin attendez. Oh là, ouais, je un peu vite. Je un peu vite. Voilà. Hein. Hop, et voilà. Hop, donc là, voilà. Oh, c'est quoi ça? Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Oh là là. Alors ça, il s'agit tout simplement donc de la prochaine édition du Digicore qui aura lieu donc le 4 septembre 2016, hein, voilà, donc cette année. Et donc bah voilà, c'est juste pour dire ça. Voilà, il y a quelques photos de l'édition précédente que je vais pouvoir vous faire montrer. Voilà. Très bien fait cette photo. Bon, on voit pas trop les visages, mais bon, je distingue bien qui est qui en fait. Hop. 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 Ah, donc là, voilà. Cassé. C'est bien fait. Voilà. Alors ça. Alors ça. Ce que vous voyez là, c'est. Normalement, c'est des sortes de pochettes. Alors, attendez. Hop. Que je reprenne mes notes, s'il vous plaît. Enfin, reprenne mes notes, c'est un autre endroit. Hop, donc. Ah, donc, en gros, c'est des pochettes, donc aux couleurs des Digimon, forcément, qui sont en vente, donc, au Japon. Voilà. Mais. Il y a pas plus d'infos! Voilà! C'est actuellement en vente au Japon. Hop les, donc voilà. Hop. Alors j'ai ça. Bon ça, en fait, faut savoir qu'il y a eu un récemment, donc le, je veux dire 11 juin, 11 février,
Il y a un petit event Digimon sur Nico, Nico Live. Et donc, bah voilà, c'est des petites choses. Enfin, une petite photo de cet événement. Hein. Et ils ont dévoilé aussi quelques minutes du film que je n'ai pas le droit, enfin, que je n'ai pas le droit de vous montrer. voilà, tout simplement. Donc voilà. Hop. Là, hop, et voilà. Hop. Donc là c'est tout, on revient, ouais, on revient là, donc hop, c'est plus la peine, voilà, c'est plus la peine, voilà. Donc sinon ben voilà, comme j'ai dit déjà, cette émission est vraiment courte parce que j'ai déjà dit quasiment toutes les informations, j'ai déjà dit quasiment toutes les informations, donc à vrai dire il ne reste plus grand chose malheureusement. Et donc il reste encore donc le film, enfin un petit film Digimon Adventure 3 qui te suit, hein, qui a été dévoilé d'ailleurs durant l'événement, hein, un nouveau trailer donc que je pourrais donc vous donner quelques minutes. Et oui, faut être patient avec moi, bah oui. Et aussi, alors, Digimon World Next Order, où est-ce qu'il y a eu une petite information, mais voilà, avec une vidéo, bon, de mauvaise qualité, bon. Donc voilà, mais le Digimon de la semaine, alors, je vais répondre à certaines questions. Voilà, je vais répondre concernant les Digimon de la semaine que je fais. Sachez que je ne prends pas vraiment compte les fusions de cartes, hein, enfin dans les jeux de cartes Digimon, voilà, hein, parce que si je devais prendre un compte, voilà, hein, et puis après voilà, je fais en fonction de mes connaissances, etc., etc. Donc désolé s'il y a des erreurs ou autres. Hein. Et dans la précédente Digimission, j'avais fait Gabumon et il était déjà dans une autre émission, donc j'en suis sincèrement désolé. Voilà, j'étais déjà dans une précédente Digimission, donc je suis désolé. Voilà, je suis désolé. Hein, voilà, les petits fails, ça arrive. Ça arrive même au meilleur. Bref, donc là, aujourd'hui, il y a bien un Digimon de la semaine. Ne vous inquiétez pas. Voilà, donc il y a le Digimon de la semaine. Le trailer Digimon Adventure 3 Kitsu. Donc c'est en gros l'acte 2 de la saison 7, hein, voilà. Et Digimon World Next Order et tout ça, c'est après la pause. À tout de suite. We'll be right back.
もね愛する人たくましい自分になれるさ壊せ弱気な君を崩せぶつかる壁を熱いこと武器になるから Believe in your
Voilà, merci. Donc, de retour pour ce live, la 10e émission, ça continue, les amis. Et donc, voilà, on approche au Digimon de la semaine. Hop, et donc, le Digimon de la semaine n'est autre que... Voilà, la régie s'est endormie. la régie s'est endormie. Allez, hop. Donc le divan de la semaine est... Hop, les voilà. Voilà, donc c'est... Voilà, vous l'avez reconnu, je pense. Il s'agit donc de Palmon. Voilà. Donc c'est un type plante. Donc c'est Digivolution. Donc c'est Tanemon. Enfin, Digivolution précédente et ça... Et c'est Digivolution... suivant, donc il y a Togemon et Woodmon. Voilà. Et oui, la Digifusion. Ouais, la Digifusion, c'est Shootmon X7F Superior Mode. Voilà. Wally Walou, donc bah voilà. Hein, débrouillez-vous avec vous. Ça. Voilà, donc Palmon, voilà. Hop. Ça, c'est fait. Ça, c'est fait. Hop. Donc voilà, hein, n'hésitez pas à dire si vous l'aimez ou pas. Hein. Personnellement, bon, je suis pas très fan de ce mode, mais bon, après, chacun son avis, chacun son opinion. Alors, donc on va continuer tout ça. Ah, attendez, parce que je me vois un petit peu en bleu. Voilà. Oh non, je me vois en bleu en fait. Je me vois en bleu. Mais bon, on s'en fout. Hein, on s'en fout, mais oui, on s'en fout. Donc voilà, alors oui, les autres informations, je suis sûr que vous les attendiez. Et bien voilà, on va commencer d'abord par un trailer, un petit trailer. Donc il s'agit donc du trailer du prochain film, hein, donc la suite de la saison 7 actuellement. Voilà, donc je vais vous laisser regarder, écouter. Bon visionnage. Je ne pense pas que j'ai été mal. Si nous n'avons pas combattu, ça aurait été beaucoup plus difficile. Si je pensais que j'avais fait des actions, le résultat est comme vous le voyez. Mimi-san, 自己中心的なところがあります。姫川さんはどう思います？何が？彼らは幸せなのか、不幸なのか。待たせたね。待ってたぜ。行け。コマモン。行け。コマモン。静止して命だけど頼りない月さでも。 きっと止めるぜ。オーマイラブ。危険な情になって、きらめく風に乗って、今すぐ君に会いに行こう。余計なことなんて忘れた方がましさ。これ以上しゃれてる時間はない。 だけど、本当は明日の予定もわからない。現代の夢の後の何もないよ。だけじゃ。
Donc voilà ce nouveau trailer donc de Digimon Adventure 3 qui te suit. La suite donc du précédent. Bref. Hop, donc dans quelques semaines, normalement. Et voilà, donc alors c'est tout en tout cas pour ce qui concerne l'animé. Maintenant, il y a une petite news concernant donc Digimon World Next Order. Donc le jeu en tout cas sortira donc le 17 mars 2016 donc au Japon. Je rappelle que c'est une exclusivité Vita, PS Vita. Et il y aura un contenu téléchargeable gratuit. Donc il s'agit en fait d'un Digimon. Un petit Digimon qui s'appelle donc je sais pas si je vais bien le dire, mais Meikomon, voilà, M-E-I-C-O-O-M-O-N, voilà. Donc il y a une petite vidéo qui a fuité sur sur le net, elle est de très mauvaise qualité, mais elle est disponible et là voilà d'ailleurs. Donc voilà, alors, vous l'aviez reconnu, hein, c'est le Digimon qui sera présent donc dans le prochain film qui va sortir. Donc voilà, tout simplement. Hein, donc voilà, voilà pourquoi il arrive. Il arrive en mars. Voilà, voilà, voilà pourquoi il arrive. J'ai envie de dire quasiment en même temps que le film. Voilà. Voilà, donc n'hésitez pas à réagir sur le chat de Twitch, hein. Voilà, il est par là le chat, voilà, par là. Donc voilà, n'hésitez pas à réagir sur ce Digimon, hein, si vous le trouvez bien ou pas. Bon, personnellement, pas très fan, hein. Disons, on va dire qu'il y a mieux, mais il y a pire aussi. Voilà, il y a pire, il y a pire. Donc voilà, n'hésitez pas à réagir là-dessus. Et je rappelle aussi qu'il y a eu les premières minutes du prochain film. Forcément, qui sont apparus bon, sur le net. Voilà. Et ensuite, bon, ça a été supprimé. Voilà, tout simplement. Donc, voilà, donc je peux vraiment pas vous les montrer. Mais bon, j'ai quand même montré un trailer. C'est déjà pas mal.
Donc voilà, ouais, alors là, bah, là c'est tout en tout cas, surtout ce que j'avais à dire, malheureusement. Voilà, en tout cas, c'est tout pour les infos. Hein. Là, c'est vraiment tout, donc n'hésitez pas à réagir sur le chat, bien sûr, le fameux chat. En tout cas, s'il n'y a pas de réaction, je pense que je vais arrêter là. Donc voilà, hop. Ah bon, il y a du monde, mais ça parle pas. Ça parle pas. J'ai mis en option muet. Ou leur clavier ne marche pas, je ne sais pas. Peut-être, hein, c'est peut-être ça aussi. Hein. Leur clavier ne marche pas, bon Dieu. Ou leur connexion internet a planté d'un coup. Au moment qu'ils écrivaient. Oh, bon Dieu! Oh, c'est horrible! Voilà. Oh mon Dieu! Mon Dieu, c'est horrible! Voilà, alors. Alors. Pas de message. Pas de message, bonne nouvelle. Je rigole. Rigole. Bon, en tout cas, alors, je pourrais déjà vous dire le temps qu'il y ait des messages qui arrivent. C'est que demain, pour le live de demain, je suis pas sûr de pouvoir le faire. Je suis vraiment pas sûr, je suis désolé. Pas sûr de pouvoir le faire. Hein. Je suis pas sûr d'être chez moi à 18h, hein, voyez-vous. Donc voilà, donc de toute façon, je vais quand même prévenir sur Twitter hein, pour ceux qui ne regardent pas ce live, bien sûr. Et puis voilà, d'ailleurs, n'hésitez pas à vous. À me follow sur mon compte Twitter @chrisisfr et à vous follow à la chaîne bien sûr. En tout cas voilà, en tout cas bah voilà, y a pas de message, hein. Et vous voulez pas débattre, et bah voilà, débattons pas, voilà. En tout cas merci à tous d'avoir suivi cette émission hein, comme je l'ai dit, qui était un peu plus courte, malheureusement. Hein, voilà, pas grand chose à se mettre sous la dent. Mais on se retrouvera très prochainement, bah, dans 2 semaines, hein, normalement, pour la prochaine DJ émission. Ou sinon, bien avant, jeudi, peut-être jeudi. J'essaierai quand même de faire un live jeudi. Hein. Je sais pas trop comment, ni à quelle heure ou autre. Mais j'essaierai de faire un live. Et sinon, peut-être vendredi de 18h30. À 20h pour Poké Live. Et puis bah voilà, passez une excellente soirée et à très très bientôt. Ciao, bye bye.